Grâce au comité de jumelage de Saint-Florent-le-Viel et les bons conseils de Marie-Luce et d'Armel, on a tout de suite été pris en charge par Cataline, notre contact hongroise. Dès notre arrivée à Budapest, elle nous a fait visiter la ville et ses monuments. Puis lors de notre arrivée à Tiani, nous avons été surpris par leur gentillesse et leur accueil chaleureux du comité de jumelage. Ils nous ont permis de découvrir la ville de Tiani, Vesprim et Balatonpo. Grâce à l'association Amitié Tiani, nous avons pu rencontrer le maire et son adjoint qui nous ont invités à dîner chez eux. Tous ces gens rencontrés durant ce voyage se sont pleinement investis dans la préparation de celui-ci avant notre arrivée, pour que notre séjour soit le plus agréable possible avec de nombreuses activités telles que la balade en vélo et en bateau, la baignade dans le lac, la danse folklorique, le musée porcelaine et une visite dans une cave. À notre tour, nous souhaiterions aider des jeunes hongrois à découvrir la France. Hey, salut Gus! C'est bien toi la mascotte du groupe Roumanie-Ukraine? Oui, c'est bien moi la super peluche pingouin. Allô? Salut! Sunt eu un haiduc? Și te rog, iubirea mea primește fericirea. Allô? Allô? Alors ce voyage, ça s'est bien passé? Grâce à tous nos contacts, tout s'est bien déroulé. Ils nous ont bien accueillis, même à des heures tardives. En Roumanie, Dana nous a fait découvrir la gastronomie et nous a permis de nous rendre à Suceava sans heurts. À Suceava, c'est Mariana qui a repris le flambeau. Te sun, să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu. Et alors, il n'y avait pas un peu plus de jeunes, de belles filles? Ah si! Justement, Mariana était accompagnée de deux étudiantes en français. Elles nous ont beaucoup appris sur la vie étudiante en Roumanie. Nous avons discuté autour d'un verre. La chance! C'est ce qu'il y a le mieux lors d'un voyage. Qu'est-ce qu'il fait derrière? Ah,
extraordinaire ce voyage. Ça, tu l'as dit. Surtout quand on a parlé de choses assez taboues au Maroc. Ah oui, tu veux parler de la religion. Parler avec le cousin d'Amza, Mohamed, de l'islam était très intéressant. Et quand on a pu comparer deux pays comme la France et le Maroc sur beaucoup de choses. En politique, coutume, langue, monnaie et tradition. Et quelle générosité. Ils partagent tout. La famille Larki, la famille d'Amza, de Bader et tout ça, grâce à notre contact Bouchine. Avec une nourriture vraiment délicieuse, comme le couscous et le tagine.